San Giovanni Laterano. Basilica San Giovanni Laterano. En dessous des fenêtres en ogive, donc ça c'est une quelques exemples de gothique. Par ailleurs, il n'y a aucune église, particulièrement l'église dans Rome. La partie inférieure de l'abside a été refaite sous Léon XIII, donc à la fin du XIXe siècle, vous avez là la chaire épiscopale. Les orgues aussi, et on est juste à côté du maître-autel et de son ciborium, construction semblable à celle que vous avez vue hier à Saint-Paul, qui est du XIVe siècle, et celle-ci, qui reprend le ciborium de Saint-Paul. Au-dessus, éclairé, il y a des reliquaires dorées qui représentent le buste de Pierre et Paul, pardon, j'ai plus de bronze, c'est d'argent, et qui contiennent les reliques des crânes des Jésus. Tandis que dans l'autel, l'autel décoré de mosaïques en torsade, oui, semblable au cloître de Saint-Paul, il y a une table de bois selon la pile qui populaire, et celle sur laquelle Saint-Pierre aurait dit la première messe, relique présumée. Comme c'est l'église cathédrale, seul le pape aurait le droit de dire la messe ici, par l'évêque de Rome, mais comme il ne fait pas lui-même les fonctions de l'évêque de Rome, il est délègue de l'un de l'autre, tout en conservant évidemment le titre. Ici, d'autres églises messe communément. Alors, avant de descendre quelques degrés, de toute façon, il faut faire des descendre, vous avez là, au-dessus de la porte, les ordres les plus anciens de la ville, puisque le moment dans 1500, qui fonctionne encore, mais malheureusement, l'attentat les a endommagés, on les a restaurés, mais le conseil est à votre vie exposé des liens. Les placements d'air n'ont pas forcément endommagé. Ici, on a immédiatement ce que le parle à la figure. Sfântul Iacob, Sfântul Ioanes, Sfântul Tomas, Sfântul Iacob cel Mare, Sfântul Andreas, Sfântul Petru, Sfântul Pavel,
Pieta de Montaneri. Yeah.